Initiative, bienvenue chez moi et venez, je vais vous présenter mon kit. Moi je skie avec les Race Pro 66 en taille 150. Les Movement, j'ai toujours skié ces skis-là. C'est des skis parfaits pour la compétition, ils sont légers, ils sont très skiables et maniables. Pour un ski léger, il peut vraiment tout faire. Ce que j'aime beaucoup avec ces skis, c'est qu'ils sont déjà très légers, donc pour la montée c'est parfait. Et puis pour la descente, il n'y a pas de problème avec non plus. Ils prennent des bons virages, ils sont vraiment... Ils skient parfaitement. Quoi. Enfin, dans de la poudre, même sur de la neige dure, de la neige de printemps, ça va vraiment bien partout. Un ski 100% carbone, un rayon de 22, un patin de 66, et puis 150. Il pèse 600 grammes sans les fixations, mais nous, le plus important pour nous, c'est le poids. On va pas forcément regarder le rayon et puis tout ça, mais c'est un bon ski. Alors moi, j'ai le casque 3T Alpi, donc c'est un casque de batterie normée. Il y a les normes pour le ski, pour l'alpinisme et puis pour le vélo. Donc ce casque, c'est le casque que j'utilise tout le temps, que ce soit en compétition, en entraînement, ou même l'été pour aller faire des via ferrata par exemple. Moi il a été dessiné, donc moi j'ai décidé de mettre les montagnes de Lézin, donc la tour d'Aï, puis la tour de Mayen qui sont dessus. Et puis ça a été fait chez Marty Design. Donc, ça c'est les bâtons Race Pro Carbone en 125. Ils ont été faits pour le ski alpinisme parce qu'ils sont légers. Avec la pointe en pic et puis avec les pics à côté, c'est comme ça on enfonce bien et puis on peut aussi bien vite ressortir le bâton. Alors dans mon sac, j'ai toujours quelque chose à manger avec. Et puis moi ce que je préfère, c'est des compotes, que ce soit pommes fraises ou pommes ou pommes bananes. C'est juste facile à manger et puis c'est très bon. Miam miam. À bientôt sur Risky.